Bonjour à tous, je m'appelle Cyrielle Cabot, donc je suis journaliste pour Asialist, le site d'information sur l'Asie. Avec l'INALCO, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui pour cette conférence sur l'Alliance du thé au lait, donc la Milk Tea Alliance en anglais, ces mouvements pro-démocratie, cette alliance de mouvements pro-démocratie entre les manifestants de Taïwan, de Hong Kong et de Thaïlande. Donc pour en discuter, je suis ravie d'avoir avec moi trois intervenants de grande qualité. Donc, Sophie Boisseau-Durocher, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes chercheur associé à l'IFRI et spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Vous, Stéphane Corcuff, vous êtes maître de conférence à Sciences Po Lyon et sinologue, bonjour. Bonjour. Et vous, Chloé Froissart, vous êtes professeur à l'INALCO et notamment spécialiste de la question de la citoyenneté en Chine. Alors, j'en profite pour remercier Mathilde Loire et Sonia Lecomte qui vont s'occuper des réseaux sociaux pendant cette conférence. Et Joris Zilberman, le rédacteur en chef d'Asialis, qui s'occupera de toute la partie iconographie. Voilà. Donc, la Milk Tea Alliance, pour rappel, donc, comme je vous le disais, c'est ce mouvement, cette alliance entre des manifestants de Hong Kong, de Taïwan et de Thaïlande, donc des mouvements pro-démocratie. Elle est née, cette alliance, il y a environ un an sur les réseaux sociaux. Elle va fêter son anniversaire en avril, à peu près, donc le mois prochain. Au départ, c'est un mouvement assez confidentiel qui s'est vraiment cantonné majoritairement à Twitter. C'était surtout un mouvement de soutien et de solidarité entre les manifestants des trois mouvements. Et elle a commencé à prendre un petit peu de visibilité et d'ampleur cet automne, au moment des manifestations en Thaïlande, au moment des manifestations pro-démocratie, où vraiment dans le cortège des manifestations, on a vu apparaître des bannières avec le hashtag Milk Tea Alliance, avec des dessins de thé au lait un peu partout dans les cortèges. Et depuis quelques semaines maintenant, depuis le 1er février et le coup d'État en Birmanie, le mouvement se fait encore plus visible parce que grand mouvement de soutien envers les manifestants contre le coup d'État en Birmanie. Là, depuis quelques semaines, on voit vraiment apparaître énormément de comptes au nom de la Milk Tea Alliance qui retweetent en continu des messages de soutien et qui essaye d'informer la population de ce qui se passe en Birmanie. Et il y a là le nombre de messages sous le hashtag Milk Tea Alliance a vraiment explosé sur Twitter. Mais je vous propose là, dans cette conférence, on va surtout parler au début des trois membres, disons, historiques de l'Alliance, Hong Kong, Taïwan et Thaïlande. Et on évoquera le cas un peu spécifique de la Birmanie plutôt en fin de conférence. Voilà, donc je vous propose d'abord de se concentrer sur ce qui unit ces manifestants. Donc on fera un peu le point sur les revendications de chacun des trois mouvements et on essaiera de voir voilà, comment, malgré des revendications sur le papier assez différentes, ils ont réussi à trouver un terrain commun. Ensuite, on se penchera sur la forme des manifestations, parce qu'on a beaucoup mis en avant des similarités, notamment entre les mouvements à Hong Kong et en Thaïlande. Et on terminera, voilà, comme je vous le disais, avec le cas de la Birmanie. Et un peu plus globalement, on essaiera de voir où peut aller cette alliance. Est-ce que vraiment elle peut s'étendre à toute l'Asie ou est-ce qu'elle va à un moment trouver ses limites? Voilà, donc pour commencer, pour entrer un peu dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on s'arrête sur deux témoignages de deux activistes membres de la Milk Tea Alliance. Le premier s'appelle Roy Nern et en novembre, il m'expliquait. Il est singapourien et basé à Taipei. Et il m'expliquait qu'il soutenait la Milk Tea Alliance parce qu'elle représente une lutte commune contre des gouvernements autoritaires en Asie du Sud-Est, en Asie de l'Est et en Asie du Sud. Et Joshua Wong, le célèbre activiste de Hong Kong, lui parle de la Milk Tea Alliance en expliquant que quiconque croit en la démocratie et à la liberté et est contre l'autoritarisme peut se retrouver dans cette alliance. Alors, Chloé Froissart, je me tourne d'abord vers vous. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu les revendications majeures des manifestants à Hong Kong et du coup, un peu nous dire ce que vous inspire, ces deux témoignages? Oui, bah écoutez, si vous voulez, comme le thé au lait est bu dans chaque pays d'Asie,
Ces différents mouvements reposent sur des expériences communes et des valeurs communes, notamment le sentiment que les avancées démocratiques qu'avaient connues ces différents pays et territoires sont menacées. Et donc, ce sont des mouvements qui sont lancés par des jeunes, des mouvements spontanés, émotionnels, qui s'ancrent dans une protestation morale et qui ensuite a pu rallier un nombre important de la population, différentes catégories sociales au sein de la population. Et ce sont des mouvements qui, il me semble, s'insurgent contre l'usurpation du droit du peuple à décider de sa destinée, que ce soit le non-respect des élections, du résultat des élections en Birmanie, ou que ce soit la dissolution en février 2020 du Parti Nouvel Avenir en Thaïlande, ou que ce soit le non-respect de la promesse d'élire au suffrage universel le chief executive et le LegCo, le Dissuasive Council à Hong Kong, ou encore les manifestants taïwanais s'insurgeaient contre le fait que les élites politiques et économiques affiliées au Kuomintang et pro-Pékin puissent décider de l'avenir économique et politique de Taïwan. Donc ça, ce sont les éléments communs et avec des valeurs, comme vous le rappiez, communes autour de la démocratie, des droits de l'homme, de l'état de droit, de la justice, de la liberté, etc. Et ensuite, ce thé au lait se décline de différentes manières dans chaque pays d'Asie, avec des boules de tapioca à Taïwan, sucrées et chaudes dans un pays, froid dans l'autre, enfin bref. Et donc, il y a des spécificités locales, et notamment à Taïwan, ce qui était important, c'était, et à Hong Kong, pour le mouvement des parapluies, parce qu'on parle de Hong Kong, il y a en fait deux mouvements qui sont plus ou moins liés, le mouvement des parapluies en 2014, qui est contemporain du mouvement des tournesols à Taïwan, et le mouvement contre la loi d'extradition, en 2019, et les deux premiers mouvements de 2014 avaient en commun l'opposition à l'influence de la Chine sur le processus électoral. Ce sont des mouvements à Taïwan, un mouvement qui est réactif et qui demande plus de transparence et de contrôle démocratique dans les négociations sino-taïwanaises, qui doivent, selon les activistes, préserver l'indépendance de l'île en tant qu'entité politique. Parce qu'à l'époque, ce qui se passait, c'est que le yuan législatif, donc le parlement taïwanais, où dominait le Kuomintang, a tenté de faire passer en force un accord commercial bilatéral entre la Chine et Taïwan. À Hong Kong, c'est un peu différent pour le mouvement de 2019, donc il s'agissait d'une opposition à une loi d'extradition qui permettait à Hong Kong de détenir et extrader vers des pays avec lesquels il n'y a pas d'accord d'extradition des criminels, dont la Chine d'ailleurs. Et c'est surtout ça qui a fait problème, étant donné qu'il n'y a pas d'état de droit en Chine. Et donc, les manifestants de 2019 font ça de différent avec ceux de 2014, c'est qu'ils sont dans une réaction contre la perte de l'état de droit. Alors qu'en 2014, le mouvement des parapluies était un mouvement plus proactif pour demander le parachèvement d'un processus démocratique qui était promis par la Basic Law et qui aurait dû avoir lieu dès 2007 et 2008. Donc les revendications principales des manifestants hongkongais en 2019 se résument en cinq revendications. Le retrait de la loi extradition, qui a été suspendu dès le 8 juillet 2019, mais n'a été retiré formellement que le 4 septembre. Deuxièmement, le fait de retirer la qualification de révolte, qui est pour qualifier donc les manifestations, révolte qui faisait encourir 10 ans de prison aux manifestants. Troisièmement, libérer tous les manifestants arrêtés. Quatrièmement, la demande d'une enquête indépendante sur les violences policières.
Et cinquièmement, le droit de vote au suffrage universel du chef de l'exécutif et du LegCo, qui est une demande qui est reprise du mouvement des parapluies de 2014. D'accord. Et du coup, Sophie Boisseau-Durocher, je me tourne maintenant vers vous. Du coup, plutôt sur la Thaïlande maintenant, est-ce qu'on peut faire voilà, un point sur les revendications du mouvement pro-démocratie en Thaïlande et du coup, voilà, votre réaction aussi face à ces deux témoignages? Oui, alors ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que disait Chloé, c'est que d'une part, on voit bien que c'est un mouvement informel et évolutif, et que d'autre part, c'est un mouvement qui s'il a des revendications communes qui sont finalement relativement larges, il se nourrit aussi d'une réflexion politique très localisée. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'ensemble de ces pays, des jeunes des pays d'Asie aujourd'hui, se trouvent confrontés à des choix systémiques et qu'il faut vraiment qu'ils expriment, je dirais, leur choix. Alors, en Thaïlande et en Birmanie d'ailleurs également, les revendications se sont plus ou moins exprimées autour de, je dirais, en réaction à trois phénomènes. Le premier phénomène, c'est évidemment les initiatives politiques de l'armée et du coup d'État de 2014 et des ambitions estimées mal placées de l'armée sur la scène politique thaïlandaise. C'est également la crise qui a succédé, la crise monarchique, je dirais, qui a succédé à la mort de Bhumipol et l'arrivée, donc, enfin, l'intronisation d'un nouveau roi qui ne fait pas l'unanimité. Et puis, c'est également, et c'est un point important, une espèce d'impulsion très forte donné par le parti du nouveau futur hein, dont a parlé Chloé, parti qui a été créé en 2018 et qui a été dissous en 2020 et qui a activé en fait la prise de conscience. Donc quand vous alignez ces trois facteurs, vous arrivez à un vrai questionnement politique que les jeunes formalisent très clairement. Alors moi je vois trois revendications ou quatre revendications principales. La première revendication en Thaïlande et en Birmanie d'ailleurs, c'est le droit de questionner. C'est vraiment important parce que le droit de questionner, ça veut dire le droit de remettre en cause le modèle politique tel qu'il a été formalisé par les aînés. Et c'est un point vraiment important parce que, en l'occurrence, ce que les jeunes questionnent, c'est vraiment l'autorité, la source et la légitimité du pouvoir politique. Les protestations, d'ailleurs, des derniers mois de 2020 en Thaïlande avaient un même but, dire au régime qu'on ne prenait pas son discours pour acquis et qu'on demandait une réforme à la fois du gouvernement et de la monarchie. Et donc, en fait, ce sont les deux sources du pouvoir, le pouvoir à la fois temporel et puis le pouvoir spirituel, qui sont remises en cause. La deuxième revendication, c'est un point important en Thaïlande et à nouveau au Myanmar, c'est pour moi le concept d'égalité. Chez nous, il nous paraît couler de source, mais quand finalement on relit, et je l'ai fait récemment, Lu Chenpai et les sources du pouvoir politique en Asie, on se rend compte que le concept d'égalité n'est pas un concept, n'est pas un concept structurant dans l'arène politique locale. Et
Évidemment, ce concept d'égalité va à l'encontre de la structure oligarchique du pouvoir. Et à mon avis, ça, cette remise en cause du concept d'égalité est un facteur déterminant pour l'avenir. Et on se rend bien compte d'ailleurs que les forces armées, qu'elles soient thaïlandaises ou birmanes, acceptent très mal ce concept d'égalité parce qu'elles se perçoivent comme une caste à part, une caste élitiste dans l'appareil d'État. Autre répercussion, je dirais, de ce concept d'égalité, c'est également, et c'est une troisième revendication, un accès équitable aux ressources du pays. Ce n'est pas un hasard que les jeunes Thaïlandais ont cimenté une plaque récemment, au mois de septembre d'ailleurs, en disant « à cet endroit, le peuple a exprimé sa volonté que ce pays appartient au peuple et n'est plus la propriété du monarque ». Et donc ça, c'est la troisième revendication, je dirais, qui découle de la revendication précédente, c'est un accès équitable aux ressources du pays. Et on sait bien qu'en Thaïlande, il y a une répartition, je dirais, des ressources entre la monarchie, évidemment, et puis l'armée, alors que la nation appartient à tous, comme le disent les jeunes de la Milk Tea Alliance, et qu'ils réclament d'ailleurs le retour des biens de la couronne dans le giron de l'État. Et c'est la même chose au Myanmar. On voit bien qu'il y a dans les manifestations qui ont lieu en ce moment, évidemment, des enjeux d'accès aux ressources et aux richesses du pays. Alors, la quatrième revendication qui découle, je dirais, des deux autres, ou qui en tout cas est dans le prolongement des deux autres, c'est évidemment la participation politique. On pourrait d'ailleurs s'interroger, parce que quand on entend les revendications à Bangkok ou à Yangon, c'est exactement la même chose, c'est le pouvoir du peuple pour le peuple, et c'est le vote du peuple qu'il faut respecter. Donc ça, c'est vraiment un point important, cette participation politique, parce que c'est là-dessus que s'est fait, je dirais, la popularité du parti de la Nakhon Thaï, le parti du futur, parce qu'en promulguant, je dirais, des nouveaux principes politiques, des nouvelles règles, des nouveaux mécanismes politiques, ils rebattent complètement les cartes du jeu et ils lancent un grand coup de pied dans les structures habituelles. Et donc, si vous voulez, après tout ça, il y a, je dirais, l'audace de ces jeunes qui veulent casser finalement des stéréotypes. Le premier stéréotype qu'ils veulent casser, c'est que la politique est l'affaire de politiciens corrompus. Ça a été très longtemps le cas dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, et eux prétendent que non. On peut faire de la politique un outil pour le bien commun et un outil qui n'est pas forcément sale, je les cite, qui peut être amusant, qui peut être constructif et même coloré. Voilà. Et puis le second stéréotype qu'ils veulent casser, et là je pense qu'on pourra en parler avec Chloé et Stéphane, c'est que les sociétés d'Asie sont passives. Non, elles n'acceptent pas des discours, le discours implicite que vend entre guillemets l'oligarchie, qui est qu'on travaille pour la stabilité et la prospérité du peuple, que c'est dans l'ordre des choses normales. Et évidemment, ce qu'ils veulent, c'est changer et casser ces stéréotypes. Donc, cela me fait dire qu'on n'a pas, en conclusion, qu'on n'a pas affaire à une fronde ponctuelle, hein, on n'a pas affaire à un acte de sédition contre l'ordre établi, mais qu'on a véritablement affaire à un moment politique, et à un moment politique important, parce que c'est un vrai mouvement d'émancipation par rapport à des structures, à un mode de pensée et à un mode de fonctionnement qu'ils jugent anachronique par rapport à l'état de leur pays. Alors justement là-dessus,
Stéphane Corcu, vous m'expliquiez dans nos précédents échanges que vous aviez un peu conceptualisé ce que reprennent, du coup, ce que nous expliquent Sophie Boisseau-Durocher et Chloé Froissart sous le terme de géopolitique des mobilisations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Il me semble que c'est effectivement là le centre de ce qu'on explique. Bien, bah d'abord, merci à vous d'avoir organisé cette rencontre, parce que si nous, les spécialistes d'Asie, on est au courant, je note qu'hier, dans un cours de géopolitique à Sciences Po Lyon, j'ai une élève qui, de manière très ingénue, mais il n'y a pas de souci, on n'est pas spécialiste de tout, m'a dit « non, je ne sais pas ce que c'est que la multi-alliance ». Et c'était hier, pourtant, nous, c'est vrai qu'on est vraiment concernés. Alors, ce n'est pas du tout une critique, hein, évidemment. Pour répondre un petit peu à votre question, Cyrielle, je vais peut-être reprendre, partir de ce que Sophie vient de dire, la dernière idée qu'elle vient d'évoquer, qui montre qu'il y a un changement sans doute de fond, hein, avec le fait que ces sociétés, souvent considérées comme un peu passives, prennent la parole. Donc, je pense que c'est vraiment fondamental. On a là l'émergence d'une société civile avec des représentants autoproclamés qui vont se faire, disons, qui vont émerger à partir de la jeunesse et dans des contextes socio-politiques très différents. Alors, ce que j'aimerais peut-être faire, c'est pour amener cette idée de géopolitique des mobilisations, c'est de montrer qu'il y a un deuxième grand changement paradigmatique. Merci Joris de mettre Taïwan with Hong Kong, tu m'avances sur mon sujet. Un deuxième changement paradigmatique, et on va essayer de réconcilier tout ça, c'est la dimension géopolitique des choses. Donc Sophie vient de le dire, il y a ce grand changement des jeunesses qui prennent la parole, mais je crois qu'il y a un autre changement qu'on peut surajouter dans l'analyse, c'est qu'en fait on est bien dans des sociétés différentes qui finalement n'ont pas énormément de choses en commun à part ce qui est mobilisé pour ces mobilisations, les thèmes. Hein. On a des sociétés, elles sont majoritairement bouddhistes, elles parlent des langues sinitiques dans le cas de Hong Kong et Taïwan. Voilà une première division avec deux autres. Et puis, les problématiques qui sont à l'œuvre, à l'origine à Taïwan et à Hong Kong, ne sont pas tout à fait, voire pas exactement les mêmes qu'en Thaïlande et en Birmanie. Parce que, comme l'a rappelé Chloé tout à l'heure, l'affaire des tournesols, qui relance un petit peu dans l'hyper-contemporanéité de ces mouvements sociaux en Asie de l'Est, qui commence donc à Taïwan pour cette période hyper-contemporaine. On a eu Tiananmen avant, évidemment, et puis en 1988, il ne faut pas l'oublier, la Birmanie, qui commence déjà. Hein. Donc on a à Taïwan une problématique qui est certes sur critiquer le fait que le gouvernement de Ma Ying-jeou négocie en gros des accords derrière des portes fermées en Chine, sans que cela passe par un mandat et une supervision du Parlement, le Yuan législatif. Bon, il y a des explications constitutionnelles à ça, mais pas seulement, il y a aussi des explications politiques. Et disons que cette dimension donc, qui inquiète énormément les jeunes, il y a que finalement, il n'y a pas de mécanisme constitutionnel, politique, qui fait que les élus ou les partis vont pouvoir superviser ces accords. Voilà. Mais il y a quand même une autre dimension là derrière, c'est l'influence de la Chine, l'ombre qu'elle fait porter sur la société taïwanaise et dont Ma Ying-jeou et son parti, le Kuomintang, sont considérés à partir du revirement que ce parti fait en 2005 pour scellier une troisième alliance avec le Parti communiste, considéré donc comme étant finalement un agent d'influence de la Chine à Taïwan. Et cet accord a déclenché les foudres des jeunes, de la société civile, des manifestants qui de plus en plus, à partir de 2008 et le retour au pouvoir du Kuomintang, sont des professionnels de la manifestation, va déclencher les foudres de cette nouvelle classe de manifestants qui émergent, parce que on se dit, cet accord, non seulement il est préparé dans le noir, le plus grand secret, mais en plus il ouvre l'économie taïwanaise au service, donc aux investissements des Chinois dans le secteur des services, qui, si on compte large, comprend sans doute les trois quarts de l'économie taïwanaise. Donc c'est une tension qui commence.
mais qui est moins présent dans les autres pays. Eh bien, Sébastien, je vais me permettre de vous me couper parce que vous me donnez une transition toute faite vers du coup ce que j'aimerais aborder maintenant, qui est justement la naissance même de la multi-alliance, qui était justement un sentiment anti-chinois, donc comme vous l'évoquiez là pour Taïwan. Parce que du coup, donc, si on doit rappeler ce qu'est la multi-alliance, à la base, c'est un mouvement qui est né justement en opposition à la Chine. Donc, c'est un mouvement qui est né d'un acteur thaïlandais très, très à la mode en ce moment dans le royaume, qui a aimé, même pas retweeté, aimé un tweet où on voit quatre images de villes, dont Hong Kong et Taïwan. Et dans la légende, Hong Kong et Taïwan sont définis comme pays. Et ce like a provoqué une vague d'insultes et d'injures à l'encontre de cet acteur thaïlandais, et ça a provoqué réellement une guerre virtuelle sur Twitter entre des comptes nationalistes chinois venus défendre cet acteur, et du coup des Thaïlandais qui sont venus défendre leur acteur fétiche du moment. Et au milieu de tout ça, on a des activistes à Hong Kong, des activistes à Taïwan qui sont venus prêter main forte aux Thaïlandais. Donc vraiment, voilà, à la base, on a la multi-alliance, c'est vraiment un mouvement anti-chinois. Et d'ailleurs, la première action sur laquelle ils se sont vraiment illustrés, c'est l'appel au boycott du film Mulan de Disney, qui se passe au Xinjiang. Voilà, vous voyez le tweet là apparaître à l'image. Bon, il est en taille, mais croyez-moi sur parole. Voilà. Donc du coup, effectivement, voilà, à la base, c'est un mouvement en réponse à l'influence chinoise. Donc peut-être, du coup, restons avec vous, Stéphane Corcuff, et peut-être pouvons-nous faire un petit point sur le sentiment anti-chinois à Hong Kong, et peut-être que Chloé Froissart, vous pourrez du coup réagir derrière. Oui, alors ce sentiment anti-chinois, c'est le point commun dans les manifestations entre Hong Kong et Taïwan. Et on va vite revenir sur la dimension géopolitique des manifestations. Bon, sauf que sur le plan de ce qui se passe à Hong Kong, on peut distinguer, à mon avis, deux phases qui sont assez intéressantes. La première, c'est où les manifestations, et ça commence avec les manifestations sur les manuels scolaires, et jusqu'aux manifestations de 2019 sur les sujets dont a parlé Chloé, sont des manifestations qui sont essentiellement tournées contre la Chine et son influence, ses manipulations, les promesses non tenues, etc. Et puis, avec la lutte contre le projet de loi de déportation des criminels, qui, comme le rappelle Chloé, ne mentionne pas la Chine. La Chine est l'un des pays dedans. Ils avaient pris la précaution de flouter un petit peu les choses, mais tout le monde sait bien quel est le principal risque. Eh bien, avec ce nouveau mouvement-là, les manifestants de Hong Kong se tournent encore plus directement contre leur propre gouvernement, la région administrative spéciale, en se disant, mais finalement, le danger, il est même encore pire, c'est-à-dire qu'il est ici avec ce que les Taïwanais appelaient, pour le gouvernement de Ma Ying-jeou, leur agent d'influence. Alors, maintenant, j'en viens à la question géopolitique, parce que il y a plusieurs dimensions, mais pourquoi une géopolitique des mobilisations? Parce que en fait, ce qu'on commence à voir entre les tournesols à Taïwan en mars-avril 2014 et les parapluies à Hong Kong qui commencent en septembre, donc Chloé disait c'était en même temps, elle voulait sans doute dire par là que c'était la même année, c'est à peu près au même moment, sauf que le fait que l'une commence après l'autre est important dans la mesure où justement entre les deux moments et dès le début des parapluies, on voit des échanges de leaders, des spécialistes de la manifestation à Taïwan, des leaders étudiants, voire même des enseignants-chercheurs qui étaient présents devant le LIFA UN à Taïwan pour faire leur cours in situ, qui vont aller à Hong Kong pour échanger des expériences, des techniques, parler de logiciels et faire un retour sur ce qu'ils ont vécu à Taïwan et en informant leurs homologues, si on peut dire, à Hong Kong. Et donc, on a des échanges de leaders, d'idées, de techniques qui vont faire en sorte que ces échanges-là, avant qu'ils ne soient bloqués par le gouvernement, la RAS, et qu'ils ne laissent plus entrer ces militants taïwanais, eh bien, qui nous montrent qu'il y a en fait des échanges entre les deux qui échappent complètement aux États ou au gouvernement. Donc, on est véritablement dans l'émergence d'un mouvement géopolitique nouveau, transfrontalier, avec de la jeunesse, sur des thèmes qui, entre Hong Kong et Taïwan, sont
de plus en plus commun, mais il faut se rappeler qu'avant les tournesols, qui véritablement vont rapprocher les deux sociétés hongkongaises et taïwanaises, ce qui se passe à Hong Kong, les manifestations précédentes de Hong Kong, les années présentes, sont relativement peu suivies à Taïwan. Peu de gens à Taïwan vont véritablement se soucier avec l'idée que, évidemment, on est sur notre île. Ça, ça va changer avec les tournesols et les parapluies. Hein. Donc, ça rapproche les sociétés, ça entraîne des communications sur les concepts, les techniques, etc. Et là, on a véritablement l'émergence de quelque chose qui est véritablement géopolitique. Après, il y a d'autres dimensions. Je ne vais pas monopoliser le crachoir, on pourra en parler tout à l'heure. On reviendra un peu après sur effectivement les échanges qu'il peut y avoir sur notamment les formes des manifestations et les similarités qu'on a pu voir émerger entre les différents mouvements. Chloé Froissart, est-ce que voilà, sur le sentiment anti-chinois à Hong Kong, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Alors, le sentiment anti-chinois à Hong Kong a fluctué au cours du temps. Il n'a pas été toujours présent, notamment... il y a eu des grands moments de solidarité entre les Hongkongais et les Chinois, notamment à travers les mouvements de soutien aux démocrates massacrés lors du 4 juin. Et là, Hong Kong était le seul lieu jusqu'à l'année dernière où on pouvait encore commémorer à travers des veillées ce massacre. Mais il s'est vraiment développé, je dirais, au début des années 2000, de manière consécutive à deux choses. D'une part, développement de ce qu'on a appelé le tourisme maternel, c'est-à-dire des femmes venues du continent pour accoucher à Hong Kong afin que leurs enfants aient un permis de résidence hongkongais. Et d'autre part, la signature de l'accord CEPA, qui est un accord bilatéral commercial et qui a accélérer l'intégration économique de Hong Kong à la Chine et avec elle son intégration politique, notamment à travers la cooptation des élites hongkongaises par des tactiques de front uni mis en place par la Chine. Et accord d'ailleurs auquel faisait sans cesse référence les manifestants taïwanais, puisqu'ils assimilaient l'accord dans les services à cet accord commercial. Avec des conséquences similaires attendues. Et au début donc, des années 2000, l'afflux de touristes chinois qui se développe à ce moment-là aussi fait que les Hongkongais commencent à nourrir une sorte de rejet de ces touristes qui sont vus comme des profiteurs qui viennent capter les ressources de Hong Kong, notamment en termes de logements sociaux, de lits d'hôpitaux, mais aussi de produits de première nécessité comme les médicaments ou le lait en poudre pour bébés avec des créations de pénurie, dont on dénonce aussi l'engorgement des transports, etc. Et il y a l'objet d'attaques en ligne où on les traite de sauterelles hein, en référence à leur incivilité, à ce qui est perçu comme leur incivilité et leur caractère prédateur, ou encore de China, qui est un terme péjoratif qui était utilisé par les Japonais pour désigner les Chinois au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et petit à petit, ces attaques en ligne se sont développées dans la réalité avec des attaques physiques de ces touristes chinois venus du continent. Et ce mouvement, ce sentiment anti-chinois s'est renforcé dans les années 2010 de manière consécutive à, comme le rappelait à l'instant Stéphane, à la campagne d'opposition à l'éducation patriotique que la Chine voulait imposer à Hong Kong, est né un mouvement insistant sur la préservation de l'identité locale et le mode de vie de Hong Kong. Et donc, on voit l'émergence d'un mouvement de dessinisation qui a alimenté un débat sur l'identité locale. Dans le même temps, on voit des manifestations contre la voie express entre Canton et Hong Kong, et une remise en cause de l'opportunité de Hong Kong d'intégrer la grande région du Delta d'un point de vue économique. Et c'est le moment aussi où est publié un livre qui a fait date, qui s'appelle Hong Kong, ville-État, écrit par Horace Chin, et qui a été une référence qui milite en faveur de l'autonomie de Hong Kong en tant que cité-État, en tant qu'une entité qui se caractériserait par une population parlant cantonais, écrivant des caractères non simplifiés, et la préservation de la culture hongkongaise. Et donc, afin de protéger l'autonomie de Hong Kong, il convient, selon Horace Chin, donc de se concentrer sur les intérêts
de Hong Kong, uniquement sur les affaires de Hong Kong, quitte à oublier complètement la Chine, y compris les manifestations contre les violations des droits de l'homme ou de commémoration du 4 juin. Donc, émerge cette idée que Hong Kong a désormais un destin qui lui appartient et que il y a plus jusqu'alors on pensait que la démocratisation à Hong Kong devait être solidaire de la démocratisation en Chine, et aujourd'hui à partir de ce moment-là au contraire on pense que Hong Kong doit avoir son propre destin séparé de la Chine. Et donc le terme de localiste fait son apparition dans le discours politique hongkongais pour en premier lieu se distinguer de ce que Horace Chin appelle les partisans d'une grande Chine, ceux qui pensent que Hong Kong doit faire partie du continent. Et au départ, les localistes s'opposaient aux démocrates qui étaient attaqués comme défendant les touristes chinois au nom de valeurs universalistes ou incapables de défendre les intérêts de Hong Kong face à Pékin. Et donc, on était dans un mouvement plus xénophobe avec des accents populistes, et c'est uniquement après l'échec du mouvement des parapluies que ce mouvement localiste s'est transformé d'un mouvement pour la préservation des ressources hongkongaises vers un mouvement plus politique, avec la création d'organisations plus traditionnelles, notamment des partis politiques comme Youngspiration ou Hong Kong Indigenous, ou encore même Democisto, qui est donc le parti de Joshua Wong, qui lui est plus modéré et plus proche des démocrates. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on a donc quelque chose d'assez mixte, et on retrouve là aussi l'ambivalence de tous ces mouvements en Asie, entre à la fois des accents xénophobes contre la Chine, une certaine violence, une haine, etc., qui se développe sur les réseaux sociaux, et en même temps l'identification à une communauté politique avec des valeurs démocratiques, universalistes, etc., et qu'on retrouve aussi à Hong Kong. Et donc, voilà, l'identité est à la fois locale versus Chine et politique versus ethno culturel, tel que voudrait l'imposer la Chine. Et ce mouvement est devenu un mouvement politique qui a gagné des élections aux élections de district en 2015, et à nouveau a eu plusieurs candidats qui ont été élus aux élections du LegCo en 2016 avant d'être disqualifiés par la reprise en main par la Chine sur des questions de conformité du serment, etc. Et ce mouvement a un peu périclité après 2016 parce qu'il a été attaqué un peu de toutes parts par le gouvernement hongkongais. Et il a été ravivé par une réponse de plus en plus sévère de la police et des tribunaux, qui a créé une forte résistance identitaire hongkongaise, enracinée dans une opposition croissante à une plus grande intégration au continent. Et surtout, on passe à ce moment-là, de Chinois de Hong Kong à véritablement Hongkongais. Au moment du mouvement contre la loi d'extradition, il y a eu ce sentiment chez les Hongkongais que Pékin était en communication directe avec le gouvernement de Hong Kong et dictait ses prises de position, avec des interventions aussi directes de Pékin dans des sanctions, notamment à l'encontre de Cathay Pacific, entre autres. Et ça encore, ça a alimenté une lutte pour l'indépendance de Hong Kong, un des slogans indépendance de Hong Kong qui ne faisait pas autrefois partie du discours politique à Hong Kong. On parlait juste une plus grande autonomie, mais pas d'indépendance. Et le slogan donc, qui s'impose au moment de la loi, du mouvement contre la loi d'extradition, c'est « Hong Kong n'est pas la Chine ». Voilà. Et qui a aussi alimenté une victoire écrasante des démocrates aux élections de district en novembre 2019. D'accord. Et du coup, alors, Sophie Boisseau-Durocher, donc Loé Froissart, nous parle des touristes chinois. Elle nous parle de l'importance de l'économie
de l'économie de la Chine continentale à Hong Kong. Et du coup, j'aimerais faire un... C'est des choses qu'on retrouve un peu en Thaïlande. J'ai l'impression, notamment, voilà, on connaît l'importance du tourisme chinois en Thaïlande. On connaît l'importance des investissements chinois en Thaïlande et l'influence que peut avoir la Chine sur l'économie du pays. Du coup, j'aimerais faire un point avec vous sur justement le sentiment anti-chinois en Thaïlande. J'ai l'impression qu'on a voilà, quelques traits qui se recoupent aussi ici. Alors, moi, je ne vais pas parler du sentiment anti-chinois en Thaïlande parce que je pense que ce n'est pas le sujet. Je pense que l'important, c'est plutôt dans quelle mesure le sentiment anti-chinois alimente la Milk Tea Alliance. Je crois que c'est plutôt ça le sujet. Et je pense qu'on retrouve en Thaïlande, comme partout en Asie du Sud-Est, une vraie ambivalence à l'égard de la Chine, qui est un voisin de toujours, avec qui il faut bien composer, qui a des qualités, qui présente des opportunités réelles, mais qui, effectivement, peut aussi, sur d'autres terrains, présenter des aspects négatifs. Hein. Les pays d'Asie du Sud-Est critiquent tous l'entrisme de la Chine, sa vision du monde relativement hiérarchique. Hein. N'oubliez pas que c'est à Bangkok, justement, que Wang Yi un jour a dit « Mais vous êtes des petits pays, nous sommes un grand pays, point à la ligne ». Donc voilà, donc là aussi, ça remet en cause, si vous voulez, la fameuse idée d'égalité dont je parlais tout à l'heure. Et puis sa capacité tout simplement à imposer sa vision du monde et son système. Et là, je crois que c'est ça qui est vraiment qui moi m'intéresse parce que effectivement, ce n'est pas tant à l'égard de la Chine que les manifestants en ont qu'à l'égard du système politique qui trouve un écho très concret dans les pays d'Asie du Sud-Est et notamment en Thaïlande et au Myanmar. Alors, c'est quoi, je dirais, si je vais très, 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 très vite, c'est en fait tout simplement un système de captation de pouvoir. On a effectivement un petit groupe, qu'il s'agisse du Parti communiste, 90 millions de personnes qui commandent à 1,4 milliard d'individus, que ce soit une institution, l'armée ou un parti politique éventuellement, qui impose en fait sa vision des choses au reste de la société et qui surtout ne demande, écarte toute idée de pensée politique. On y revient toujours. Donc, je crois qu'il y a deux choses ici qui sont importantes. D'une part, le modèle chinois trouve un écho en Asie du Sud-Est et notamment donc en Thaïlande, hein, avec la captation ou au Myanmar, avec la captation de pouvoir par un petit groupe qui prétend parler au nom de la collectivité. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la caution des élites. Vous connaissez quand même la capacité relationnelle, je dirais, de la Chine et le fait qu'elle travaille véritablement des réseaux avec une efficacité inégalée. Elle le fait évidemment en Asie du Sud-Est. Il y a une diplomatie chinoise, une diplomatie publique chinoise, une diplomatie des images qui est permanente, c'est-à-dire qu'il y a toujours la visite d'un Chinois qui va mettre en avant un petit chef local et donc effectivement ce petit chef local trouve une caution dans l'image qui le présente avec le grand frère chinois, des visites excessivement fréquentes, etc. Donc une caution, et puis finalement aussi l'ingérence, tout ça amène à l'ingérence dans les affaires intérieures, c'est-à-dire que par le biais des réseaux, effectivement, Pékin essaye de faire basculer les orientations dans un sens qui l'arrange. Donc voilà, donc tout ça doit être pris en compte parce que tout ça génère une crispation, une vraie crispation politique à l'égard de la Chine, qui ne comprend pas toujours d'ailleurs pourquoi les jeunes la rejettent comme ça, mais c'est un point important. On voit aujourd'hui dans les manifestations en Thaïlande des images anti-chinoises où on présente les Chinois comme des sorciers. C'est plutôt, si vous voulez,
par rapport à l'entrisme, je dirais, du parti politique, du parti communiste chinois, qu'il y a une réaction très forte. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une aspiration économique dans les circuits chinois, et les jeunes ne veulent pas que cette aspiration se paye au prix de la liberté politique. Et autre point qui est important et dont a parlé rapidement Stéphane et Chloé, c'est que sur le coup, les méthodes de contrôle sociétal et de contrôle politique mises en place par les Chinois sont évidemment recopiées aujourd'hui en Thaïlande ou au Myanmar. Et là, on peut évidemment s'inquiéter de l'exportation de certaines méthodes qui s'appuient sur l'intelligence artificielle et qui font qu'aujourd'hui, l'ensemble des manifestants sont suivis en permanence, sont contrôlés, que leur réseau soit contrôlé en permanence et qu'il n'ait plus aucun espace privé. Donc là, si vous voulez, on se retrouve effectivement dans un modèle qui voudrait, comme en Chine, évacuer la pensée politique au profit d'une dynamique économique ou de prospérité qui est la seule fin collective envisageable. Et donc, à mon avis, c'est cet horizon d'attente que les jeunes à Hong Kong, à Bangkok, à Taipei ou à Yangon aujourd'hui contestent, voilà, plus que le fait qu'ils soient vraiment anti-chinois. Mais est-ce que finalement, on ne peut pas considérer, si on doit un peu synthétiser voilà, tout ce qu'on s'est dit là, est-ce que la Milk Tea Alliance, finalement, c'est pas justement des manifestants de plusieurs lieux qui, finalement, se considèrent tous comme victimes directes ou collatérales de la Chine, soit de la Chine elle-même, soit de gouvernements Moi, je crois vraiment être très prudent. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une alliance contre la Chine, mais je crois qu'il s'agit d'une alliance contre ce qui constitue la logique et les mécanismes du pouvoir chinois, ce qui est quand même différent, du pouvoir communiste chinois. Il y a quand même l'idée que la Chine avance ses pions et ses intérêts dans la région au détriment des intérêts de la population, que ce soit ses intérêts militaires au Ladakh l'année dernière, ou que ce soit ses intérêts économiques avec des barrages sur le haut Mékong qui provoquent des sécheresses dans le bas Mékong, en Thaïlande. Non, mais là, Chloé… Il y a quand même cette dimension, les choses sont sans doute un peu mélangées quand même aussi. Moi, j'ai quand même étudié, regarder quand même tous les discours, les messages, les pancartes des manifestants à Bangkok, comme à Yangon ou à Mandalay ou ailleurs. À aucun moment, vraiment, on retrouve une dénonciation des pratiques chinoises. Certes, elles existent et cette dénonciation est réelle, mais ce qui m'intéresse là, c'est de voir en quoi elle nourrit ce mouvement. Et je crois qu'il y a une vraie dénonciation de la logique du pouvoir chinois qu'on ne veut pas voir exportée, mais j'ai rarement vu quand même dans les manifestations à Bangkok ou à Yangon la dénonciation de la mainmise. Ça, elle existe et cette dénonciation existe par ailleurs, hein, ça je suis bien d'accord, mais pas dans la Milk Tea Alliance. Mais je pense que ce qui serait très intéressant, c'est de voir si des jeunes de Chine populaire pourraient s'intéresser aussi à ce mouvement. C'est là où, effectivement, il y aurait véritablement un nouvel élan. Alors, je vous propose qu'on prenne une question de l'un de nos participants. Alors, j'aimerais aussi vous remercier, puisque vous êtes actuellement 145 à suivre la conférence, donc merci beaucoup. Donc, du coup, vous êtes même, en fait, plusieurs à nous poser la question des communications qui existent entre ces mouvements. Donc, ça va nous faire une transition parfaite sur la prochaine partie qu'on souhaite aborder, qui est justement sur la forme qu'ont pris les manifestations et sur ces notions de duplication d'un mouvement à un autre. Alors, normalement, vous allez voir des images apparaître à l'écran
où, on va, où on voit les, justement les ressemblances entre les manifestations à Hong Kong et à Bangkok cet automne notamment. Voilà, donc on a beaucoup mis en avant notamment dans les médias notamment les techniques semblables, les références à la pop culture. Donc là, vous voyez le salut à trois doigts du film Hunger Games, on a vu le Joker. On a beaucoup parlé des techniques similaires, des mouvements qui se sont regroupés. On avait les canons à eau qui se retrouvaient aussi comme à Hong Kong, comme à Bangkok, les parapluies, etc. Loin de Cyriel, hein, les canons à eau, et avec la couleur bleue en plus. Comment ? Je dis, ils ont commencé à Taïwan, les canons à eau. C'est encore un point commun, il y en a beaucoup en fait. Alors du coup, c'est ma première question, c'est un peu, est-ce que ces mouvements de manifestation sont des formes inédites de manifestation ? Que ce soit, alors commençons à Hong Kong avec vous, Chloé Froissart peut-être, est-ce que c'est une forme inédite de manifestation qu'on n'avait pas vue auparavant ? Absolument, c'est une forme complètement inédite parce que les mobilisations à Hong Kong avaient pris jusqu'alors soit la forme de grandes manifestations pacifiques, par exemple lors du 1er juillet pour demander la démocratisation de Hong Kong et le parachèvement du processus de démocratisation, ou que ce soit à travers des formes d'occupation qui ont émergé dès 2006-2007, notamment pour préserver le patrimoine architectural de Hong Kong autour du Star Ferry, et Occupy qui était un mouvement d'occupation avec dans différents endroits, Admiralty, Central, Tsim Sha Tsui, Mong Kok en particulier, Causeway Bay aussi, donc avec des campements de fortune dans les quartiers où se développait une vie locale avec des lieux de débat, d'échange, de formation, de partage. Et donc une occupation qui a duré quand même 79 jours, comme le rappelait Stéphane, donc qui de septembre à décembre. Et ce qui est intéressant, c'est que le mouvement contre la loi d'extradition est inédit sur plusieurs points. D'une part, par l'ampleur du nombre de participants, jusqu'à 2 millions de participants, c'est-à-dire près d'un quart de la population lors de la manifestation du 16 juin, par son degré de violence dans une société jusqu'alors très pacifique, mais l'échec, entre guillemets, du mouvement des parapluies a véritablement parachevé la démocratisation de Hong Kong, a fait que certains manifestants hongkongais se sont dit maintenant il faut vraiment passer à des méthodes beaucoup plus violentes et la violence est en quelque sorte légitime et nécessaire. Et par exemple lors de l'occupation et du Legco le 1er juillet qui a été en particulier vandalisé, il y avait un graffiti écrit sur l'une des colonnes du Legco en disant c'est vous, adressé au gouvernement de Hong Kong, c'est vous qui nous avez appris que le dialogue pacifique ne servait à rien. Donc c'est en gros c'est parce que vous-même, gouvernant, vous n'acceptez pas notre demande de dialogue que nous sommes obligés de passer à la violence. Autre spécificité, c'est une forme de sophistication aussi inédite dans les manifestations. Par exemple, les manifestants sont allés jusqu'à utiliser des lasers pour déjouer les caméras de surveillance. Et enfin aussi la diversité des tactiques et des modes d'action, parce que si on fait avant tout référence, qui est le plus connu souvent, c'est cette fluidité des manifestations en réponse à une rigidité croissante du régime, c'est-à-dire cette référence à l'aphorisme de Bruce Lee, be water, soit comme de l'eau, avec des manifestants qui surgissent et se dispersent très rapidement pour pouvoir jouer de la surprise, de la fluidité, pour pouvoir échapper à des forces de l'ordre qui sont moins mobiles. Et on se rappelle de l'accoutrement des policiers transformés en Robocop avec des gilets pare-balles, des énormes casques, des matraques, les canons à eau que vous venez de montrer, etc. Cette stratégie-là,
elle a duré jusqu'à l'été, jusqu'à novembre en réalité, où elle a été efficace jusqu'à ce que, en gros, la compagnie de MTR, c'est-à-dire le métro de Hong Kong, a commencé collaborer avec le gouvernement et empêcher aussi les manifestants de prendre le métro, et qui était un des moyens qu'ils avaient à leur disposition pour pouvoir se changer rapidement de quartier et passer d'un lieu de manifestation à un autre. Et donc, avec l'accroissement des arrestations, on est passé à une deuxième phase qui a été la phase des occupations, des sièges d'abord de l'université chinoise, CUHK, l'université chinoise de Hong Kong, et d'un axe routier principal, hein, qui est cette autoroute qui relie Hong Kong au Guangdong, et le siège également de Polyu, hein, tous deux ayant lieu en novembre, et également aussi le blocage du Cross Harbor Tunnel, le tunnel entre Wan Chai et la péninsule de Kowloon. Et à ce moment-là, on passe à des formes d'occupation qui ont été aussi extrêmement violentes, avec des moments de confrontation entre les manifestants et les forces de police, l'utilisation de cocktails Molotov du côté des manifestants, des départs de feu pour arrêter le progrès des forces de police, des flash mobs pour encercler les postes de police. Ces tactiques-là, on les retrouve aussi pour certaines dans les autres mouvements, notamment. Pardon ? Allez-y, finis. Non, mais ces tactiques qui ont pu, on en parlera peut-être après, être partagées grâce aux réseaux sociaux, ce sont des tactiques de dispersion rapide, mais aussi d'affrontements violents avec les forces de l'ordre. On est face à une jeunesse, et pas qu'une jeunesse d'ailleurs, comme vous le rappeliez, parce qu'il y a aussi diverses générations qui ont rejoint les mouvements, qui sont très jusqu'au boutiste. Plus il y a de répression, plus ils sont dans une logique sacrificielle et veulent aller jusqu'au bout de leur engagement. On est aussi dans des tactiques de volonté de paralyser le pays avec des grèves générales, des mouvements de désobéissance civile, d'une part parce que les manifestations ont fini par être interdites à Hong Kong sous prétexte de Covid, mais en réalité pour des raisons politiques, en Birmanie aussi, où on retrouve les tactiques d'occupation des principales voies de communication, de stoppage de la circulation routière, avec les chauffeurs qui stationnent en plein milieu, ou les cyclistes qui feignent de réparer leur vélo, etc. Donc toutes ces tactiques de manifestation par d'autres moyens. Et puis on a, comme vous le rappeliez, tous ces symboles des trois doigts, des parapluies pour se protéger des canons à eau, des vêtements noirs, et puis aussi une place importante du street art, des manifestations artistiques de style hip-hop qu'on retrouve en Birmanie aussi, tout un art de rue inspiré des mangas, des jeux vidéo, des séries, des chansons, des zines, des Lennon Wall, ces murs sur lesquels on pose des post-it en hommage à la liberté, voilà, toute une série d'éléments qu'on retrouve à la fois tactiques, organisationnels et symboliques, qu'on retrouve d'un mouvement à l'autre. Et du coup, quel rôle peut avoir joué les réseaux sociaux, notamment dans tout ce que vous dites, donc de ces tactiques qu'on a clairement retrouvées en Thaïlande, comme on le voyait sur les photos, comment les réseaux sociaux ont pu permettre justement ces échanges de Hong Kong à la Thaïlande? Si vous voulez, donc les réseaux sociaux
c'est d'abord eux qui ont permis l'organisation de ces mouvements. Grâce à Telegram, à la messagerie cryptée Telegram, à WhatsApp, à Facebook, que les gens ont pu se retrouver et se manifester. Donc les réseaux sociaux ont permis en quelque sorte une structure organisationnelle beaucoup plus fluide et sans leader comme mesure de protection, et une coordination plus facile sans qu'il y ait cette lourdeur de l'organisation traditionnelle des mouvements sociaux. Et elle a permis aussi une nouvelle autonomie des individus grâce à ce mode d'organisation flexible. Les réseaux sociaux ont permis aussi de mieux coordonner l'action, par exemple la division du travail entre ce qu'on a appelé les frontliners et ceux qui étaient donc les frontliners qui pouvaient tirer des flèches, les archers, ceux qui étaient les magiciens du feu qui allumaient des barricades en feu, et ceux qui étaient à l'arrière, entre aussi les guetteurs qui voyaient lorsque la police arrivait sonner l'alarme, etc., et puis qui permettaient des dispersions beaucoup rapides. Donc ces réseaux sociaux, c'est ce qui a permis cette flexibilité et cette fluidité du mouvement. Et c'est aussi, ils ont permis aussi, ces réseaux sociaux, une mise en commun des ressources, notamment au moment des sièges, le fait que la population apportait des médicaments, des vivres, des vêtements, etc., aux personnes qui étaient impliquées. Et puis, surtout, ces réseaux sociaux ont permis également cet échange d'expériences et de tactiques d'un pays à un autre. Alors, il y a eu des échanges physiques au départ entre Taïwan, les militants taïwanais et hongkongais. Par exemple, des militants hongkongais sont allés faire des cours à Taïwan, faire des conférences sur la réforme législative en espérant pouvoir inspirer les mouvements sociaux. Il y a eu des échanges entre les sociétés civiles des deux territoires, avec cette idée que c'est grâce à la coopération des sociétés civiles, les deux territoires pourraient faire front à la Chine. Et puis ensuite, il y a eu ces manifestations de solidarité, par exemple de Joshua Wong, mais pas que, à l'égard des manifestants thaïs. Et inversement, en Thaïlande, des bannières pour soutenir le mouvement démocratique à Hong Kong. Donc, on a cet échange d'expérience qui est permise grâce aux réseaux sociaux. Et troisième dimension qui me semble importante, ça me permet aussi de répondre à une des questions qui a été posée. Je pense que c'est aussi dans un contexte où les médias à Hong Kong sont de moins en moins indépendants que les réseaux sociaux ont aussi permis de véhiculer une autre vision du mouvement. Vous dites, Stéphane Gorcuff, est-ce que finalement Taïwan, voilà, on évoque le fait que du coup à Hong Kong on peut soutenir les manifestants thaïlandais entre guillemets sans avoir à craindre d'être poursuivi pour crime de lèse-majesté en Thaïlande et vice-versa, est-ce que finalement Taïwan là-dedans ne devient pas une sorte de bulle plus démocratique où toutes ces revendications et tous ces combats peuvent trouver un espace où s'exprimer? Je pense que c'est plus que ça. C'est qu'en fait, et je voudrais en parler ici, nous sommes tous là en train d'oublier Taïwan. On en a parlé, on l'a mentionné, mais il y a un phénomène dans les médias français et même dans l'analyse académique, je trouve, d'oubli de Taïwan. Alors, il faut s'interroger là-dessus, parce que tout ce que vient de dire Chloé, c'est parfaitement juste, mais tout était déjà en place à Taïwan, mot pour mot, logiciel pour logiciel, technique pour technique. Je veux dire, on a tout ce qui s'est passé à Hong Kong et qu'elle vient de décrire en 2014 était déjà en place quelques mois plus tôt à Taïwan. Alors, il faut pas oublier ça, parce qu'on a cette tendance en France à tout ramener à Hong Kong quand on parle des manifestations dans le monde chinois, pour des raisons qui convient d'expliciter. Mais c'est vraiment en place. Voilà, tout ce qu'elle a dit, mot pour mot, hein, donc c'est important. Voilà, c'est le premier point. Et du coup, Sophie Boisseau-Durocher, voilà, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter du point de vue plutôt thaïlandais sur ce qu'on a dit? Est-ce qu'effectivement, tous ces passages de technique, c'est effectivement de l'emprunt majeur à Hong Kong, ou est-ce que c'est déjà aussi des choses qu'on pouvait retrouver
notamment en 2014, peut-être, lors des manifestations contre le coup d'État. Oui, alors à Taïwan, en Thaïlande comme au Myanmar, d'ailleurs, il y a une tradition quand même hein, de contestation, donc il ne faut pas l'oublier. Mais bon, aujourd'hui, il me semble quand même qu'il y a quelque chose de nouveau dans la remise en cause des ordres établis. Si les parcours sont différents selon chaque pays ou chaque Taïwan ou Hong Kong ou la Thaïlande, au fond, cette remise en cause se fait avec des méthodes nouvelles et évidemment une observation, un échange d'expériences sur l'usage de la contestation, la pratique de la contestation. Donc ça, Chloé en a largement parlé. Moi, il y a deux points sur lesquels j'aimerais insister. D'une part, il y a un point qui n'a pas été encore évoqué, c'est évidemment l'usage des médias pour alerter la communauté internationale. Ça, je trouve qu'il y a là un usage nouveau qui n'existait pas, par exemple, dans les manifestations antérieures, dans un pays comme dans l'autre, avec évidemment l'usage d'images symboliques. Hein, on a souvent parlé des trois doigts de Hunger Games. Voilà, donc ça, c'est un point important. Mais moi, la question qui me semble intéressante, c'est que, à ma connaissance, il n'y a pas derrière ces échanges facilités par les médias, parce qu'il y a souvent des comparaisons qui sont faites, donc on met côte à côte des manifestants thaïlandais, des manifestants taïwanais, des manifestants hongkongais, ou des, voilà. Au-delà de ça, je ne crois pas qu'il y ait pour l'instant une structure qui permette de véritablement s'entraider, d'aller au-delà de la solidarité ponctuelle. Je ne crois pas qu'il y ait une structure transnationale qui permette à ces jeunes de vraiment se nourrir, si vous voulez, au-delà de l'action ponctuelle. Et donc ça me semble être un point quand même important sur lequel il faut rebondir, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions là-dessus. Pour l'instant, on est quand même encore dans quelque chose de très informel, de très flottant, et qui n'est pas encore une alliance suffisamment structurée pour véritablement faire peur au régime en place. Parce que ce qui me semble important de dire également, c'est que certes, on a un Milk Alliance, mais on a aussi une alliance des régimes autoritaires, hein, évidemment. Je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, c'est peut-être pas tout à fait un hasard, mais que les derniers manifestants, les derniers leaders de mouvement des jeunes en Thaïlande ont été hier ou avant-hier, pardon, lundi, incarcérés pour crime de lèse-majesté. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de meneurs. Est-ce que c'est pour donner des idées à la junte birmane? Je m'interroge quand même. Eh bien, du coup, vous nous permettez d'aborder la dernière partie de cette conférence qui est justement sur l'avenir possible de cette alliance, et du coup c'est peut-être l'occasion quand même de revenir un peu sur ce qui se passe en Birmanie et sur justement comment la Birmanie intègre aujourd'hui, un peu contre son gré certainement, la Milky Alliance. Alors effectivement, vous parliez d'un mouvement qui permet avant tout d'exprimer sa solidarité, et là c'est ce qu'on voit majoritairement dans le cas de la Birmanie. Donc là, on le voit sur l'image, Solidarity, avec un jeu de mots un peu facile, envers la Birmanie. Et effectivement, la majorité des comptes Twitter qu'on a vu émerger depuis le coup d'État de la Milky Alliance en soutien à la Birmanie, c'est des mouvements de soutien avant tout. Et aussi, comme vous le disiez, et effectivement, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, beaucoup aussi de volonté d'informer sur ce qui se passe, en Birmanie. Les différents comptes Milky Alliance des autres pays ont vraiment cette vocation à vouloir informer de ce qui se passe sur place, avec toute la violence qu'il peut y avoir, etc. Donc peut-être déjà, est-ce qu'aujourd'hui, Sophie Boisseau-Durocher, est-ce qu'on peut considérer
que la Birmanie est membre de la Multi Alliance. Ah oui, ça, indiscutablement. Et quand on voit d'ailleurs l'audace des jeunes hein, qui ont quand même, qui risquent leur vie aujourd'hui, cette audace est aussi nourrie, je dirais, par le soutien qu'ils tirent des relations avec les autres mouvements de jeunes. C'est vraiment un point important et que d'ailleurs la junte n'avait absolument pas anticipé. Donc là, on a véritablement une intégration ultra rapide du Myanmar, de la jeunesse birmane dans cette alliance. À nouveau, qui pour moi est une alliance anti-système établi ou de système qui prétend représenter le bien de la population sans qu'on ait même interrogé cette population. Donc là il y a effectivement des points importants. Il faut quand même pas oublier aussi qu'il y a 4 millions de Birmans qui vivent en Thaïlande, hein, qui ont pu observer ce qui se passait dans les derniers mois, et qu'il y a eu effectivement certainement un partage, je dirais, d'expériences bien approfondies. Donc ça c'est aussi un point important. Alors, la question qui est aujourd'hui sensible, c'est que est-ce que précisément, du fait de son caractère informel, je le disais, et puis du fait qu'il est effectivement plus confortable d'aller critiquer ce qui se passe chez le voisin que chez soi, est-ce que ce mouvement ne fait pas prendre des risques inconsidérés à certains jeunes? Ça, c'est aussi une vraie question qu'il faut se poser. Et est-ce que vous pensez que à terme, la Multi Alliance peut s'étendre potentiellement à d'autres pays d'Asie du Sud-Est, notamment, alors je pense au Cambodge, au Laos, notamment pour revenir à la Chine, du fait de l'influence sur la Chine, sur le Mékong, par exemple? C'est une question. Absolument, et pas seulement, enfin, je veux dire, et pas seulement les pays d'Asie du Sud-Est péninsulaire, hein, mais d'autres pays d'Asie du Sud-Est. À nouveau, hein, on est vraiment dans un nouveau moment politique où ce qui me semble le plus important, c'est de voir si cette alliance va déboucher sur un corpus de pensée un peu plus, je dirais, élaboré peut-être, et véritablement indigène. C'est-à-dire que ce qui me frappe quand même, c'est que même les trois doigts de Hunger Games sont quand même empruntés à la cinématographie américaine. Voilà, il est important aussi que ces jeunes trouvent dans leur propre expérience les ressources pour se positionner et puis qu'il y ait effectivement un échange. Mais je crois que en tout cas il y a une chose qui est nouvelle et qui a été amorcée avec cette alliance, c'est la prise en main de son destin politique. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On n'hésite pas à critiquer à nouveau, à questionner, comme je le disais, les structures du régime, que ce soit la monarchie en Thaïlande, hein, qu'on a un peu mise de côté, mais qui est véritablement aussi une des revendications fortes, hein, de ces manifestants, hein, la réforme de la monarchie, ou les réformes constitutionnelles, hein, qu'on retrouve ici et là. Voilà, donc ça c'est un point important, et puis voir évidemment tout le travail aussi qui a été fait par beaucoup d'associations, je dirais, européennes, américaines, australiennes, pour essayer aussi de mettre en avant l'état de droit, la transparence et l'équité. Alors Stéphane Corcuff, je vous donne la parole, je crois que vous vouliez rebondir aussi à la question. Rebondir, oui, sur ce que vient de dire Sophie également. J'essaie de remettre un petit peu une analyse géopolitique ici, puisque les situations nationales, quand on les étudie sur le plan politique et sociétal, ça nous apporte beaucoup. Mais pour essayer de replacer un contexte plus large, ces jeunes ont contre eux beaucoup de facteurs,
Ils ont d'abord le fait qu'à part Taïwan, ce sont des régimes quand même globalement autoritaires, on peut même mettre Hong Kong de plus en plus dedans, contre eux, et qui, dans un certain nombre de cas, en tout cas en Birmanie en ce moment, n'hésitent plus à utiliser la force et faire des morts. Bon, donc Taïwan fait encore une fois figure d'exception de ce côté-là. Ils ont contre eux le fait qu'ils sont aussi souvent dénués de fonds, ils n'ont pas de leader, pas d'organisation, on le sait, et puis ils ont les frontières contre eux. C'est-à-dire que souverainement, un État peut décider de fermer les frontières pour barrer ces échanges entre leaders, etc. Il y a aussi le contrôle d'Internet, on sait que c'est coupé en Birmanie régulièrement, etc. etc. Bon, voilà. Mais ils ont également des faits de leur côté, des éléments de leur côté. C'est pour ça que vous posiez la question tout à l'heure, savoir qu'est-ce qui est nouveau. Quelqu'un a posé la question dans le chat également, j'ai passé pas mal de temps à regarder les questions, elles sont passionnantes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Ben oui, c'est que ces jeunes sont adaptés à leur situation. Ils ont pour eux bien le désespoir, dans certains nombres de cas, désespoir psychologique ou bien économique ou politique. Et puis, ils ont pour eux le fait d'être devenus le siège de leurs propres médias. Encore une fois, ça a commencé à Taïwan. D'ailleurs, le premier livre qui a été écrit en chinois sur les événements des tournesols, 2 mois après la fin du mouvement, c'est « Nous sommes tous des médias ». 我们都是媒体. Voilà. Donc, il y a ces éléments qui jouent de leur côté et qui font que c'est très difficile de savoir si ça va prendre ou pas. Mais ce n'est pas vraiment la question, je pense. La question, c'est plutôt est-ce que le mouvement va continuer ici et là dans d'autres sociétés sans que ça prenne véritablement. Si ça prenait, on serait dans une logique qui était un peu celle des années 80, du milieu des années 90, quand on disait la troisième vague de démocratisation. Quelque chose finalement qui reste global, presque institutionnalisé, qui de pays en pays va propager la démocratie. Je pense que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais par contre, il est probable que des sociétés d'Asie du Sud-Est, et la question que posait Sophie aussi est valable, la Chine, comment les Chinois sur les réseaux sociaux peuvent se positionner, on a vu que certains prenaient position pour les manifestants de Hong Kong, alors qu'ils étaient quand même très exposés, c'est intéressant. Donc, que ces mouvements vont probablement faire tache d'huile, secouer des États, des choses établies dans d'autres sociétés d'Asie du Sud-Est, et qu'on peut difficilement prévoir si ça va enclencher un mouvement comme les mouvements, disons, les printemps arabes, dont on connaît l'issue. Finalement, en termes de démocratisation, c'est à peu près zéro. Voilà. Parce qu'en Asie du Sud-Est, il y a d'autres situations iniques comme ça où on peut vouloir bouger, et ça me fait, peut-être pour conclure temporairement sur ce point, dire que là, on est véritablement dans un mouvement géopolitique. Mais dans la géopolitique, il y a un élément qu'il ne faut jamais oublier, c'est la réelle politique. C'est que la destinée de ces mouvements ne se fait pas que par la dynamique interne de ces mouvements, ne se fait pas non plus que par les imports, les intrants, mais également par l'attitude des États, c'est-à-dire nous, qui bougent réellement sur la Birmanie aujourd'hui, pas grand monde. Qui vraiment peut bouger sur Hong Kong ? Sur Hong Kong, Trump n'avait pas fait grand-chose à part des déclarations. Pour les États-Unis, on est là sur une nouvelle présidence qui semble vouloir faire quelque chose, mais on attend encore les nouvelles. Et sur Taïwan, là, on a vraiment quelque chose qui bouge. Mais encore une fois, Taïwan est une situation très différente puisqu'elle n'est pas confrontée à un État autoritaire aujourd'hui et que, comment dirais-je, elle est véritablement démocratique. C'est la question que vous me posiez tout à l'heure. Est-ce que Taïwan est une bulle ? Je ne pense pas, c'est un phare. Et comme on est dans une nouvelle situation géopolitique où les individus sont le siège de leurs propres relations internationales, en dépit des contrôles des frontières, de l'Internet, etc., etc., on peut tout imaginer, mais moi je parie que si le mouvement, le tremblement de terre ne se fait pas maintenant au-delà de ces 4 pays, en tout cas, de toute façon, il n'est que retardé. On sera là où ça va s'arrêter, le moment où ça va s'arrêter, pour citer un auteur que j'aime beaucoup, sur un instantané de tremblement de terre avant que les choses recommencent. Il y a une vaste pour revenir sur ce que tu disais, tout à fait justement, Hong Kong est, pour ainsi dire, déjà out de l'alliance depuis que l'Assemblée populaire nationale a donc passé cette loi sur la sécurité nationale le 30 juin dernier, qu'elle a inscrite dans la Basic Law, qu'elle a publiée au journal officiel. Les libertés à Hong Kong ont cessé de disparaître. Cette loi donc vise à punir un certain nombre de
de crimes comme la subversion, la collusion avec l'étranger, le terrorisme, etc., des crimes qu'elle définit de manière extrêmement large et qui sont passibles d'emprisonnement à vie, et y compris le fait de prôner, hein, pas uniquement via des actes et pas uniquement via de la violence, mais prôner ne serait-ce que la démocratisation, hein, à Hong Kong est susceptible voilà, de tomber sous le coup de la loi sur la sécurité nationale. Donc il y a un effet refroidissant, une douche glaciale sur la liberté d'expression, quand bien même la Bill of Rights de Hong Kong continue de stipuler qu'il y a une liberté d'expression à Hong Kong. Dans les faits, c'est de moins en moins le cas, d'autant que cette loi sur la sécurité nationale donne des pouvoirs extraordinaires à la police qui s'apparente, instaure en fait un état policier qui s'apparente au pouvoir que pouvait avoir, je sais pas, la Gestapo ou le KGB, d'espionnage, de contre-espionnage, etc. Ce qui fait que la plupart des Hongkongais se sont désinscrits des réseaux sociaux ou en tout cas ne manifestent plus du tout beaucoup moins d'opinion politique sur les réseaux sociaux. De même, la collusion avec l'étranger, le fait de soutenir cette solidarité dont on parlait à l'instant entre pays pourrait aussi tomber sous le coup d'une collision avec l'étranger. Donc, et sans compter aussi que la plupart des activistes, dont Joshua Wong, mais pas que, il y a eu 53 activistes, il y a eu 10 000 arrestations, plus de 10 000 arrestations depuis le mouvement de 2019, dont 53 figures importantes politiques et activistes en janvier, donc 47 ont été jugées là récemment. C'est la plupart des figures emblématiques du mouvement sont aujourd'hui en prison ou n'ont pas par ailleurs accès à Internet. Donc, de facto, Hong Kong est un peu en dehors de l'Alliance. Et d'ailleurs, à moins que je me trompe, mais je n'ai pas vu de manifestation de soutien des Hongkongais au Birman. Voilà, donc déjà, bon, c'est… Après, sans doute que Taïwan a un rôle de relais beaucoup plus fort, comme disait Stéphane, à prendre, là, parce que c'est le seul pays qui reste démocratique, parmi les pays de l'Alliance, parce qu'il y a une tradition de soutien… notamment de la Fondation pour la démocratie de Taïwan qui est financée par le DPP à ces sociétés civiles d'Asie du Sud-Est. Elle est financée par le Parlement taïwanais et elle est strictement bipartisane. C'est une fondation. Ok, pardon. Merci Stéphane. Et donc, elle est beaucoup plus active sous le DPP pour une raison très simple, c'est que sous Ma Ying-jeou, et c'est un élément factuel, hein, je ne mens pas, le soutien aux militants de la démocratie en Asie, et notamment chinois, a été littéralement arrêté. Absolument. Pour ne pas vexer la Chine. Absolument. Et d'ailleurs, bon, voilà, c'est l'intérêt de Taïwan de soutenir ces mouvements démocratiques en Asie. Et d'ailleurs, lors du Nouvel An chinois, Taïwan a, dans ses vœux aux Hongkongais, encouragé les Hongkongais à continuer la lutte, etc. Il y a cette solidarité et je pense que Taïwan aujourd'hui pourrait jouer plus ce rôle de pivot alors même que Hong Kong est en train d'être exclu de facto de cette alliance du fait de toutes les raisons que je venais de mentionner. Après, la question, c'est aussi comment peuvent se maintenir les communications dans des contextes où l'Internet est de plus en plus contrôlé, où les faits de pouvoir voyager avec le Covid, mais aussi à Hong Kong, beaucoup de manifestants qui ont été arrêtés se sont vus confisquer leur passeport. Donc, peut-être que les liens vont devenir de plus en plus difficiles à maintenir. En tout cas, Chloé, tu ne penses pas qu'au sein, en tout cas, des sociétés sinophones, le flambeau passe d'une société à l'autre sur le temps long. Si on commence à compter en 1919 jusqu'à aujourd'hui, bon, Hong Kong, c'est malheureusement une tragédie. Il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi cette tragédie? Parce que la Chine n'est plus juste à côté, elle est carrément dans la place. Alors, c'est vrai que du coup, alors je suis parfaitement d'accord, Hong Kong a retiré de fait de l'alliance, concrètement. Pour combien de temps, je ne sais pas, sans doute ça va durer, puisque la Chine est là encore une fois. Pour les trois autres, effectivement, on est dans une configuration où la jeunesse s'invente un mode d'action
qui n'est pas dans notre, dans la vision, dans la façon traditionnelle de procéder, notamment, bah, tout simplement, parce qu'il y a une nouveauté fondamentale depuis 20 ans qui s'appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et c'est en ce sens que c'est une véritable révolution. Elle n'est pas juste d'hier, mais les technologies évolue à toute allure et on a des moyens de surmonter la censure et notamment la coupure d'Internet. Dans une manifestation, il suffit de connecter deux téléphones en Bluetooth et l'affaire est réglée. Mais évidemment, ça ne règle pas tous les problèmes. C'est toujours le jeu du chat et de la souris, quand il y a des manifestations qui apparaissent, évidemment. Ça va continuer, le jeu du chat et de la souris de manière plus générale, dans la façon de contester les ordres établis. Il n'y a aucune raison que ces voies de la liberté-là disparaissent. Elles seront réprimées, elles seront contraintes, mais cette répression des États autoritaires, c'est toujours une fuite en avant. Sauf peut-être pour la Chine, dans l'avenir qu'on peut en tout cas visualiser. Je rends la parole à Sophie Boisseau-Durocher. Parce que je trouve que le débat est vraiment intéressant et puis qu'on touche vraiment au cœur du problème, c'est-à-dire cet antagonisme dans des aspirations différentes, celles des États, celles des sociétés, celles de différents pays. Moi, ce que je retiens, c'est que d'une part, j'adhère à ce que dit Stéphane, on est véritablement, je disais, dans un nouveau moment politique, dans un moment où les voix de la liberté s'expriment maintenant et surtout formalisent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Maintenant, je rejoins complètement aussi ce que disait Chloé. On a eu des réactions très articulées de la part des États, à Hong Kong notamment, mais également, je viens de le dire, en Thaïlande, puisque aujourd'hui, plus aucun meneur des manifestations de 2020 n'est encore en liberté. Et donc, effectivement, ça va ralentir au mieux. Ça va ralentir le mouvement. Donc, on est un peu dans une couche glaciale. En Asie du Sud-Est, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même quelques pays qui se rendent compte que le chaos, je dirais, voire la guerre civile est possible. Et je pense précisément à toutes les interventions récentes de l'Indonésie pour essayer d'infléchir le processus et surtout la répression au Myanmar. Donc c'est un point important, mais jusqu'à quand ces pays-là vont résister? Et pour terminer, la Chine est de plus en plus dans la place, ça je rejoins, et on le voit bien par exemple dans des pays comme le Laos ou le Cambodge, où finalement ces sociétés sont gouvernées tout simplement par la peur et par l'intimidation. Enfin, il faut pas non plus qu'on se voile la face. Donc même si, quand on nous dit des choses à nous chercheurs, on nous les dit en demandant de garder l'anonymat, etc. Donc il y a véritablement aujourd'hui une nouvelle chape de plomb, une glaciation qui est en train de se mettre en place. Je crois néanmoins que l'Union européenne l'a bien compris quand elle a parlé de rival systémique en parlant de la Chine. Je crois également évidemment que l'administration Biden en a pris toute la mesure en appelant à une alliance des démocraties. Moi, ce que je vois se dessiner quand même, c'est une Asie du Sud-Est qui va être véritablement l'objet de tensions sur la rivalité de modèles politiques et ça peut être sanglant. Alors, je vous propose qu'on prenne quelques questions des participants parce qu'il y en a effectivement de nombreuses et elles sont toutes très intéressantes. Alors, il y en a notamment sur l'opinion publique face à ces manifestations et notamment sur quelle part réelle des manifestants dans ramener à la population globale du pays? Est-ce qu'effectivement, c'est des mouvements très importants? Et est-ce qu'effectivement, les membres de la multi-alliance en termes de population des trois lieux sont effectivement une vraie force? Alors, on peut peut-être commencer. Enfin, moi, je veux bien commencer. Si vous voulez, il faut se rendre compte que cette formalisation du questionnement politique gagne du terrain.
C'est-à-dire qu'il fallait déjà formaliser et puis ensuite commencer à convaincre. Moi, ce que je constate, par exemple, au Myanmar aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas seulement des jeunes dans la rue, on a les représentants de la société entière qui ne veulent pas d'un système qu'ils savent bloquant, si vous voulez. Et précisément, la raison pour laquelle il y a autant de monde aujourd'hui dans les rues au Myanmar, c'est que précisément, l'appel d'air des 10 dernières années a été pleinement apprécié. Donc voilà, ça c'est le premier point. En Thaïlande également, moi j'ai assisté quand même à des conversations chez des amis thaïs où je voyais bien des jeunes essayer de parler avec leurs parents sur la monarchie. C'est un point absolument nouveau. C'était un point qui était complètement tabou auparavant et qui devient aujourd'hui un sujet sur lequel on peut s'exprimer et on peut exprimer des divergences. Je crois que ça aussi, c'est vraiment nouveau. Alors, ça touche au Myanmar en tout cas, on est à une grande majorité, à mon avis, quand même, de la population aujourd'hui. En Thaïlande, je trouve quand même que la retenue commence un peu à disparaître et qu'effectivement, on aborde des vraies questions politiques. J'aimerais juste rajouter un petit quelque chose, si je peux prendre la parole, c'est sur le même sujet. Quelque chose qu'on a un petit peu évoqué, mais pas dit vraiment formellement, je suis surpris. Je suis attentif au fait que depuis 2014, ces manifestations commencent en gros sur un thème. Et puis tout un tas d'autres thèmes sociétaux se greffent qui vont montrer que cette société civile, c'est un peu une réponse à l'une des questions qui est posée sur le chat, est assez mûre en fait. C'est très bien, même si elle n'a pas tous les éléments de réponse, quels sont les problèmes qu'elle doit poser sur l'appropriation des ressources, pas seulement les alternances, mais également des questions de société comme les questions LGBT, les questions du nucléaire, etc., etc. Et que là s'invente un véritable débat qui est ce qu'on appelle la société civile, point, si ce n'est qu'elle ne passe pas forcément dans les médias officiels. Alors, on a une autre question qui reprend un peu ce que vous dites, Stéphane Gorcuff. Est-ce que, d'un spectateur anonyme qui nous demande si ce mouvement transnational de la jeunesse asiatique et cette solidarité dans les revendications suggèrent que le sentiment d'appartenance nationale s'affaiblit dans les pays de la zone au profit de valeurs universelles qui, du coup, dépasseraient les frontières nationales? Je ne pense pas parce qu'il ne convient pas de distinguer, d'opposer les deux. On peut très bien être à la fois un citoyen de son pays et même, à travers ses mouvements, construire sa citoyenneté sur une base nationale ou sur le cas de la Birmanie, donc multinationale. Alors ça, c'est encore un sujet qui est très complexe. Et en même temps, se sentir membre d'un mouvement asiatique qui a une conscience du temps dans lequel elle se déroule. Et je pense que là, franchement, on est tous ensemble d'accord, je pense qu'il y a vraiment un tremblement de terre. Là où peut-être on n'a pas de vision, de visibilité, c'est de voir sur quoi concrètement ça va déboucher en termes de divers de la réaction politique ou bien de d'effilochement progressif de ces régimes autoritaires. Mais il y a bel et bien un mouvement qui mérite une attention internationale et qui, à mon avis, recommence à Pékin en 1989, enfin en Birmanie et à Pékin en 88-89, puis continue 79, on va dire, allez, 79 à Taïwan, à Kaohsiung, les événements de Kaohsiung. Je pense que là, il y a en Asie un mouvement qui redémarre, et puis petit à petit, plus ça va, plus ces mouvements se rapprochent. Alors peut-être ça va s'arrêter, se suspendre, mais si on regarde les choses sur le temps long, reprenons les choses à la commémoration du 10 décembre 1972, de la Journée internationale des droits de l'homme sous la dictature taïwanaise qui montre une sorte de modèle. Et ce qui me frappe, vous voyez, c'est que tout récemment, le 28 février de cette année, il y a quelques jours, donc quelques semaines, un appel est lancé pour soutenir le Myanmar le 28 février, qui est une date commémorative qui est taïwano-taïwanaise, c'est le massacre des Taïwanais par la Chine. Alors la Chine nationaliste, certes, mais la Chine depuis Nankin, et s'est mobilisée là, en Birmanie et en Thaïlande, pour dire mobilisons-nous
pour le Multi-Alliance ce jour-là. Donc, ça montre que les modèles circulent, les idées circulent. Et là, franchement, la répression d'État ne peut pas grand-chose. Parce qu'on ne peut pas emprisonner dans une cage un torrent. Il va traverser. Hein, Chloé disait, rappelait Be Water. On peut être Be Water, on peut être Water, à la fois dans la répression, mais aussi dans le moment de la résilience quand il va falloir tenir le coup. Donc, ces idées ne vont pas disparaître. Elles ne font que commencer, probablement, parce qu'il y a un effet de cliquet. Ça, on l'a très bien montré. Sophie l'a dit, Chloé aussi. Il y a des choses, il y a des digues qui lâchent, des tabous qu'on ne pouvait pas mentionner. Et une fois que ces tabous lâchent, la monarchie en Thaïlande, l'identité chinoise à Taïwan, l'autonomie, le fait que Hong Kong ne peut pas se penser localiste, ça lâche. Quand on parlait du localisme à Hong Kong il y a 7 ans, mais les gens nous riaient au nez en nous disant « mais n'importe quoi, ils ont une identité locale, certes, mais le mouvement d'indépendance de Hong Kong, ah, ah, ah. » Bon, bah, maintenant, effectivement, ça commence à prendre de l'ampleur. Donc, si ces digues lâchent, on est sans doute à la veille de grands mouvements. Oui, en même temps, c'est quand même assez lié à la réaction de la communauté internationale, parce que c'est aussi… Enfin, c'est une des motivations de la constitution de cette alliance qui est, comme ça a été dit, d'interpeller la communauté internationale, faire en sorte qu'elle défende les valeurs qui sont, qu'elle revendique de liberté, de justice, de démocratie, etc., qu'elle vienne en aide à ces populations. Et en même temps, la réaction de la communauté internationale conditionne la pérennité de ces mouvements. Et force est de constater quand même que pour l'instant, en tout cas du côté de l'Europe, il y a des déclarations mais qui ont sans grand effet. Bon, tu mentionnais Trump n'a pas fait grand-chose, mais quand même le Congrès a enlevé à Hong Kong son statut spécial dans les échanges commerciaux, ce qui était important quand même. Mais là, l'administration Blinken semble aussi beaucoup plus ferme et mettre en place des menaces ciblées, c'est-à-dire contrairement à Hong Kong où l'idée qui était revendiquée qui est, par les manifestants eux-mêmes, c'est « if we burn, you burn with us », c'est-à-dire l'idée que la Chine et le gouvernement hongkongais doivent payer pour la répression du mouvement, et y compris même si les populations doivent souffrir, et c'est un peu ça l'idée des sanctions. Là, on est passé à d'autres formes de sanctions beaucoup plus ciblées par les États-Unis qui visent plus des personnes au niveau de la junte, mais aussi en Birmanie. La question, c'est dans quelle mesure ces sanctions vont vraiment avoir une efficacité. Pour l'instant, le Conseil de sécurité de l'ONU est complètement paralysé, à la fois par la Russie, la Chine aussi, le Vietnam, voire l'Inde aussi, qui forment un groupe, une alliance au sein du Conseil de sécurité pour s'opposer à toute forme de sanctions. Donc, on ne voit pas bien si la communauté internationale ne parvient pas à avoir une réponse coordonnée, cohérente et suffisamment forte, comment est-ce que ces mouvements pourraient perdurer. Enfin, y a quand même cette dimension qui est importante. Il me semble qu'il y a là deux points importants. Le premier paramètre, c'est le paramètre chinois. La Chine, en tant que grande puissance et modèle politique rival, ça c'est un premier point. Et puis, il faut qu'on ait une réponse cohérente, et effectivement, ce n'est pas avec des sanctions ou des condamnations ou des injonctions qu'on va régler le problème. Mais il me semble aussi, et tout aussi important, parce que j'en vois aujourd'hui l'effet, par exemple, en Birmanie, qu'il est important d'aider, je dirais, la formalisation de ces nouvelles formes de pensée politique. Et ça, je crois que c'est véritablement aujourd'hui un enjeu, c'est-à-dire qu'ils sont dans un mouvement de refus des ordres établis. Il faut qu'ils soient beaucoup plus peut-être dans des mouvements de propositions et de nouvelles logiques politiques qui soient à nouveau des logiques locales et non pas des logiques importées de l'extérieur et de l'Occident. Donc c'est plutôt là-dessus, je trouve, qu'il faudrait aussi porter notre effort. Mais ce qui est évident, c'est qu'à la fois sur le terrain systémique et sur le terrain et géopolitique,
et sur le terrain des idées, il y a des actions et des initiatives à mener. Alors, je vous propose qu'on prenne une dernière question. Il y en a plein de très, très bonnes dans le chat. Pour le soutien de l'opinion publique à ces mouvements, etc., moi, j'aurais peut-être quelque chose à dire. Eh bien, écoutez, allez-y. On peut... Non, mais justement, le seul sondage que j'ai retenu, c'était, que j'ai en tête, disons, pour le moment, c'était un sondage de soutien de la population hongkongaise au mouvement, alors même que ce mouvement était extrêmement radical, atteignait une violence inégalée. Et donc, c'est des sondages qui sont faits par des professionnels de l'Université de Hong Kong. 56% de la population hongkongaise en 2019 comprenait la radicalisation du mouvement et le soutenait. 72% condamnaient les violences policières. Et voilà, c'était pour aussi rebondir sur l'idée qu'Internet permet sans doute aussi de gagner une audience plus large et de changer les modalités, les mentalités et de faire en sorte que la population soutienne dans des contextes de plus en plus autoritaires largement des mouvements qui sont à l'origine plus partie d'étudiants. Donc alors je vous propose donc cette question de Philippe Daguerre. Qui nous demande, y a-t-il de votre point de vue un mouvement qui serait plus générationnel de révolte envers un système hérité de l'histoire et qui ne correspond plus aux aspirations de la jeunesse? Et du coup, est-ce qu'on peut comparer ces manifestations aux révoltes de la jeunesse que l'on a pu voir dans les années 60 dans les pays de l'OCDE et dans les années 80 dans la sphère soviétique? Stéphane Korkuff, peut-être? Une question que j'avais remarquée également, qui est très, très pertinente. C'est dur de répondre parce que les historiens vont vous dire que c'est difficile de comparer les périodes et les contextes. Effectivement, la jeunesse qui se soulève en Hongrie ou en Tchécoslovaquie, est-ce qu'on est dans la même configuration qu'en Chine, à Hong Kong ou, c'est très difficile. Moi, je me contente de dire que là, manifestement, si on regarde les choses sur les 150 ans, début du 19e siècle, on a des vagues régulières d'appels à la démocratisation, pour employer un mot très moderne, des sociétés, à la réforme des régimes. Et il n'y a pas de... Ce n'est pas linéaire, on n'a pas une vague tous les temps de... Voilà. Mais elles sont régulières. Et ça, on ne pourra jamais le retirer au peuple. En 1787, le consul Vieillard, qui est à Canton, 1784, écrit un rapport sur Formose pour le ministre de la marine française, et on est quelques années avant la Révolution française, et il dit que, en fait, finalement, dans cet empire de Chine, Mandchou en l'occurrence, rien ne pourra un jour ou l'autre empêcher ces voies de la liberté de prendre la place qu'elles méritent qu'il entrevoit en Asie comme devant arriver un jour. Prescience. Peut-être. Bien, écoutez, je pense qu'on a déjà bien dépassé l'heure, donc je pense qu'on a atteint la fin de la visioconférence. Merci beaucoup à tous les trois, et je remercie aussi l'INALCO, notre partenaire pour cette conférence, donc Jean-François Huchet, Eve Dufresne, Mathilde Lacroix et Sonia Lecomte. Je remercie encore Mathilde Loire pour s'être occupée des réseaux sociaux pendant la conférence. Et du coup, avec Asialiste, on vous donne rendez-vous pour notre prochaine visioconférence qui aura lieu le 12 avril et qui sera cette fois-ci sur l'Inde, 2 ans après l'élection de Narendra Modi. Et d'ici là, vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site d'Asialiste, et le replay de cette conférence sera disponible sur le site d'Asialiste et sur l'INALCO. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde, vous êtes toujours 112, donc merci beaucoup de nous avoir suivis, et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci pour les questions.